dans cette vidéo, on cherche à déterminer les points d'intersection d'un cercle ou d'une parabole avec une droite, attention, pas n'importe quelle droite, parallèle à un axe. Alors, il y a deux axes, donc on considérera soit les droites parallèles à l'axe des ordonnées, soit les droites parallèles à l'axe des abscisses. Donc, avant de se lancer dans la théorie, on va faire des petites remarques. Alors, je commencerai par les points d'intersection d'une parabole avec des droites parallèles à l'axe des abscisses ou des ordonnées. Donc, une première remarque, à quelles conditions un point appartient à la parabole? Ben, si et seulement si ses coordonnées, donc x, y, vérifient la chose suivante, c'est-à-dire que y, finalement, est l'image de x par l'équation P, où P, c'est ax carré plus bx plus c. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième remarque, ben, il faut connaître les équations de droite. Une droite sera parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire une droite parallèle comme ça, et elle aura pour équation x égale k, puisqu'elle va couper l'axe des abscisses en k, en x égale k. Et puis une droite parallèle à l'axe des abscisses, cette fois-ci c'est la droite verte, elle aura pour équation y, cette fois-ci, je prends un autre, k', donc où k et k', ce sont des nombres réels. Donc, avec ces remarques-là, on va pouvoir poser des systèmes et résoudre la question, trouver les coordonnées des points d'intersection entre une parabole et des droites. Alors, premier cas, je vais donc prendre une droite parallèle à l'axe des ordonnées. On a vu, d'après ma remarque petit 2, son équation, c'est x égale k. Donc, j'ai le dessin suivant, j'ai ma parabole, j'ai une droite. Et comme à chaque x correspond une et une seule image, je n'aurai qu'un seul point d'intersection. Donc, les coordonnées du point d'intersection, il vérifie deux choses. Il faut qu'il soit à la fois sur la parabole et à la fois sur la droite. Donc, je vais traduire ça par un système. Dire que le point est sur la droite, bah, ça veut dire qu'il vérifie l'équation x égale k. Et dire que le point il est sur la parabole, ça veut dire que les images y vérifie ax carré plus bx sur c. Donc, il va falloir résoudre ce système en tenant compte des deux conditions. Alors, bah, comme x est égal à k, il suffit de remplacer ici, là, dans cette écriture, x par k. Donc finalement, le point i aura pour coordonnée k, p de k. Prends un exemple concret. Je me donne une parabole, x carré moins 3x moins 5, une droite d'équation x est égale à 4. Bah, je vais calculer l'image de 4 par la parabole, p, ça me donne donc 4 au carré, moins 3 fois 4 moins 5, 16 moins 12 moins 5, ça me donne moins 1. Donc, mon point i, qui est le point d'intersection entre la parabole et la droite, sera de coordonnées 4, puisque x est égal à 4, et puis moins 1, puisqu'il doit vérifier l'équation de la parabole. Donc, j'ai remplacé et j'ai trouvé moins 1. Passons au deuxième cas où cette fois-ci, on a une droite, cette fois-ci parallèle à l'axe des abscisses. C'est-à-dire que son équation est de la forme y est égal à k. Alors, cette fois-ci, on n'est plus dans le cas où on a une seule intersection. Dans le cas de la parabole, on peut avoir zéro solution si la droite est dessous, une solution si c'est tangent, j'ai fait le dessin avec la droite où k va couper donc la parabole deux fois. Alors, que doivent vérifier les points d'intersection de P et de D? Ils doivent vérifier les deux choses suivantes. Puisque ces points-là sont et sur la droite et sur la parabole, il faut que leur y soit égal à k et il faut que y qui est égal à l'équation soit égal à ax carré plus bx plus c. Donc finalement, j'ai des conditions sur y, sur les ordonnées. Et il faut que ce nombre-là soit égal à ce nombre-là. Autrement dit, il va falloir résoudre l'équation suivante. Ax carré plus bx plus c est égal à k. Ben ça, c'est une équation du second degré à résoudre, puisque vous allez passer le k de ce côté-là, et vous aurez ax carré plus bx plus c moins k est égal à 0,
c'est une équation du second degré avec un delta et vous trouverez les solutions. Donc je vais donner un exemple. X carré moins 3x moins 5, la droite d'équation y est égale à 4. Donc c'est ce que j'ai fait ici, je passe le 4 ici. Ça me donne x carré moins 3x moins 9 est égal à 0. Je calcule le discriminant, je trouve 45 et je trouve deux solutions. Celle-ci et celle-là. Donc, mes deux points I1 et I2 intersection avec ma parabole. Dans ce cas présent, c'est donc X1, la première valeur, et 4 pour Y. X2, la deuxième valeur, et 4 pour Y. Ce polynôme, pardon, celui-là, pourrait ne pas avoir de solution. On se trouverait dans le cas où ma droite est ici et où il n'y a pas de point d'intersection. Je peux me trouver dans le cas où le polynôme a une seule solution et une solution double, et dans ces cas-là, la droite serait tangente à la parabole, j'aurais donc une seule solution. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons voir comment déterminer les points d'intersection, cette fois-ci d'un cercle, avec une droite parallèle à un axe. Donc, comme tout à l'heure, deux remarques préliminaires. À quelles conditions un point M appartient à un cercle ? Si et seulement si ces coordonnées, donc x, y, vérifient l'équation de cercle. Ici, voici l'équation d'un cercle. X moins x oméga, oméga c'est le centre du cercle, au carré, plus y moins y oméga au carré, est égal au rayon au carré. Et une deuxième remarque, un point, donc l'équation d'une droite parallèle à l'axe des ordonnées, ça va être x égale k, et une droite parallèle à l'axe des abscisses aura pour équation y est égal à k', avec k' des réels. Alors, regardons maintenant donc l'intersection d'un cercle avec une droite parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire de la forme x est égal d'équation x est égal à k. Alors, on a fait un dessin, on est dans le cas où on a ici deux points d'intersection. Donc, les coordonnées des points d'intersection du cercle avec la droite doivent vérifier les deux conditions. Tout d'abord, le fait que x doit être égal à k puisque le point appartient à la droite, et également, il faut que le point appartienne au cercle, donc il faut que les coordonnées x, y vérifient l'équation de cercle. Donc ici, si on veut que les deux conditions soient vérifiées, il faut résoudre l'équation en y, puisque c'est y qui va être l'inconnu à chercher, j'ai remplacé x par k. Oméga k, c'est connu, c'est le centre du cercle. Y, c'est ce que je cherche, c'est l'ordonnée des points d'intersection. Y oméga carré égale x carré. Donc, prenons un exemple. Voici l'équation d'un cercle. Si je lis, le cercle, il est de centre oméga de coordonnées 5, 4, et de rayon racine de 8. Et puis si je regarde la droite d'équation x égale 4, et que je cherche les points d'intersection de ce cercle avec cette droite, il faut que je pose l'équation, donc j'ai remplacé x par 4, et le y, c'est la donnée qu'il va falloir que je cherche. Donc, je transforme ceci en une équation du second degré, donc je calcule 4 moins 5 au carré, et je développe ici x carré moins 8y plus 16, le 8, je le fais passer de l'autre côté, est égal à 0. Donc j'obtiens une équation du second degré en y, y carré moins 8y plus 9 est égal à 0. On sait que cette équation a 0, 1 ou 2 solutions. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai fait mon dessin dans le cas où on avait 2 solutions. Effectivement, si je calcule mon delta, c'est 28, c'est un nombre positif. J'ai donc deux solutions, y1, y2. Donc deux points d'intersection, i1, de coordonnées 4, puisqu'en x c'est 4, d'ordonnées y1, et i2, toujours d'ordonnées 4, et y2, solution de l'équation. Maintenant, regardons dans le cas où la droite n'est plus parallèle à l'axe des ordonnées, mais à l'axe des abscisses, c'est-à-dire une équation de la forme y égale à k. De la même façon, on va raisonner de la même façon. Les coordonnées des points d'intersection
deux cercles et 2D doivent vérifier les deux conditions suivantes. Il faut que le point appartienne à la droite et il faut qu'ils appartiennent au cercle. S'ils appartiennent à la droite, Y est égal à K. S'ils appartiennent au cercle, il faut que les points vérifient cette équation-là. Donc, on doit résoudre l'équation, mais cette fois-ci, l'inconnu, c'est X, puisque je connais Y. Donc, on doit résoudre une équation en X en remplaçant le Y par K. Prenons un exemple, je reprends le même cercle que tout à l'heure. X moins 5 au carré plus Y moins 4 au carré est égal à 8. Et cette fois-ci, la droite, je vais la prendre d'équation, Y égale 4. Je remplace donc Y par 4. Et je développe mon carré. J'obtiens donc l'équation du second degré, X carré moins 10X plus 17 est égal à 0. Comme tout à l'heure, une équation du second degré a 0, 1 ou 2 solutions. Donc je suis dans le cas où, si la droite est ici, pas de solution. Si la droite est comme ça, on a un point qui est la droite tangente au cercle, un point d'intersection. Moi, je me suis placée dans le cas où on va avoir deux points d'intersection, puisque mon discriminant delta est égal à 32 et positif. Donc j'ai deux solutions, x1, x2. Donc mes deux points d'intersection ont pour coordonnées x1, 4, x2, 4.